trésors du patrimoine portugais, les Azulejos sont un nouveau musée dans la région de l'Alentejo. Niché dans un palais du XVIIIe siècle, le musée Berardo Estremoz a ouvert ses portes ce week-end. Il présente la plus importante collection privée de carreaux de faïence du Portugal, avec des pièces datant du XIIIe ou XXIe siècle. L'exposition inaugurale s'intitule « 800 ans d'histoire des Azulejos ». Cela commence avec deux grandes sortes d'azulejos, les espagnols et les portugais, détaille ce responsable du musée. Et nous avons aussi quelques pièces islamiques des XIIIe et XIVe siècles. C'est une des deux plus grandes collections privées au monde, précise le commissaire du musée. Si la péninsule ibérique est largement représentée, les visiteurs peuvent aussi admirer des carreaux en provenance des Pays-Bas ou encore du Pakistan, d'Iran et du Maroc. L'accès au musée sera gratuit jusqu'à fin août.